faut faire que ça roule. Parce qu'avant tout, comme ça. Ken, il a compris. Viens, fais ça avec moi. Tu vas, tu le laisses. Non, non, sans appuyer trop. Et tu le laisses rouler. Tu vas vraiment sans trop appuyer. Tu le laisses faire comme un roue. Je m'appelle Rosie Lombe et je suis peintre et sculpteur. J'ai commencé à travailler aux intermèdes Robinson une fois par semaine en fin de mois de juin. Et donc du coup, j'ai décidé de commencer un voyage plus près de chez moi, d'aller rencontrer les enfants avec les intermèdes Robinson. Je vais juste faire des sculptures, des animaux, de plein de choses. Je vais sculpter un de vous bientôt aussi. J'ai commencé avec les enfants cet été. Souvent, ils ont posé pour moi et j'ai fait des croquis et des dessins d'après eux. Et ils aiment beaucoup voir leur visage à travers mes yeux apparaître. Donc ça a bien fonctionné. Puis j'ai commencé à essayer de leur faire dessiner. Ils n'ont pas beaucoup l'habitude, ils n'ont pas beaucoup de matériel de l'art. Un de mes buts en étant ici, c'est de réfléchir à ça et de leur apporter des matériels de l'art. Ça va, Kashmir? Tu vas aller avec toute ta famille pour un festin? Oui. Et tu vas la faire cuire aussi, j'ai entendu parler. Maintenant, on commence à faire de la terre et j'essaie de faire des choses un peu simples. Et après, je vais les faire cuire pour eux, pour qu'ils aient des petites choses pour garder à la maison, pour leur famille. Et j'ai d'autres projets artistiques que je compte faire avec le long de l'année. Mais surtout pour moi, la rencontre avec les enfants, de commencer à les connaître, ils deviennent mes amis et j'ai envie de les voir toutes les semaines et voir comment ça se passe. Et chaque semaine, une chose que j'apprends, c'est très différent d'une semaine à une autre. Comment tu es en CM1? C'est Tu as 7 ans? Oui, et moi j'ai 8 ans. Ouais. Tu as 8 ans? Et tu as un CE2, c'est ça? Lui il a 8 ans, mais il a redoublé, donc du coup il est en CE1. C'est un menteur. Non, il est en CE1. Et puis Louis, il est plus âgé. Louis, tu as 9 ans. Il avait 8 ans avant toi, à l'imagine. En plus, avant Marie, elle est 13 ans. Encore tous, je suis désolée. Lève-toi. En cours de cette année, j'ai un projet de livre sur lequel je vais travailler. Je suis déjà auteure d'un livre pour enfants. Et ça va être un livre aussi visé sur les enfants, mais qui sera pour apprendre le dessin aux enfants, le dessin d'après nature, qui est parmi tous les enfants de notre monde un peu rare maintenant. Après que ça sèche, tu peux comme gratter des formes là-dedans et ça va être vraiment joli. La façon que je vais faire ça, c'est qu'ici aux intermèdes Robinson, avec les ateliers et peut-être dans des moments ponctuels autres, je vais dessiner, peindre et sculpter les enfants, comme j'ai fait dans l'atelier de terre l'autre jour. Et aussi, je vais faire la même chose dans l'école de ma fille à Paris. Il ne faut pas salir les habits. Et je vais en faire un livre qui montre ses enfants voisins pour vraiment à la fois enseigner un petit peu sur qu'est-ce que c'est le dessin avec les yeux qu'on regarde et qu'on note ce qu'on voit. Aussi pour montrer aux enfants que je les vois, que je suis en train de les regarder et les dessiner. Et aussi le livre final, l'idée c'est de vraiment souligner l'idée des voisins dans notre monde, des enfants divers, des sortis des milieux divers, mais qui sont tous des voisins à Paris. Ok, tu fais un petit peu. Non. Moi j'aime bien commencer avec le profil. Non, c'est Rudy qui m'a dit de me montrer. Oui, c'est ça. Tu me fasses une tête là. Kenny.